Salut tout le monde, c'est Drunkslane avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une vidéo de Ghost Recon Wildlands. Pour ne pas changer, on continue notre aventure. Épisode numéro 4, 5, 4, 3, 2, je ne sais plus. On va aller faire la mission qui s'appelle le commandant d'Armadillo, qui fait partie de l'UNIDAD. On va essayer de récolter des informations en l'interrogeant. Le gros problème, c'est que c'est dans une fucking base de l'UNIDAD avec 1 million de soldats armés avec armure et gros artillerie. On va essayer d'être discret. Sinon, ils vont attirer et appliquer encore plus de monde. J'ai peur et j'ai même un gros doute. Petit passage. Puis-je utiliser ce petit truc? Non, il n'y a rien là-dedans. Oh là là, oh là là. Il y a plein de monde. Ça fait quoi d'ailleurs? Présence ennemie dans la zone. Ouais, je sais. Hé, un soldat de l'UNIDAD. Le bunker. Ah, c'est, il y en a partout. Il y en a partout des soldats de l'UNIDAD, man. Mon drone va aller te regarder ça, ça va être quelque chose. Allez hop, c'est parti. Sniper en haut de la tour. Oh, l'électricité, excellent. Ça, c'est pour déconnecter. Je crois qu'il y en a un autre ici. Non? C'est parti. Compris. J'ai le capitaine de l'UNIDAD en visuel. Le capitaine des réfugiés. Un sniper en haut de la tour. Ma batterie! Ah, oh, fuck man, la batterie! Il y a du monde de partout! Ok, c'est la base de l'UNIDAD. On cherche le capitaine qui traite avec Yuri et Polito. Il nous faut la cible vivante. Bien sûr, ok. Ok, je peux encore utiliser mon drone, go! Oh, il y a un doux là-dedans. Oh, le sniper avec le camouflage! La distance commence à être trop loin. Ok. Lui. En haut de la tour. On veut un autre. Lui. Ok, 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 ok. Donc là, on a le sniper. Je peux-tu baiser le sniper? On va voir ce que ça donne. Commençons par lui. Je peux-tu? En plein dedans. Correct. Ok, c'est fait. Next. On va voir ce que je peux faire. Si je libère les gens de la résistance, faut que j'aille détruire ça pour pas qu'il y ait d'électricité. C'est pas simple. Tu as un doud là-dedans. On a un juste ici. Mais il est pas tout seul. On a un autre à l'intérieur. Je sais pas où il est, je le vois pas. Ah là là, c'est vraiment pas facile. Donc on a trouvé le gars. Donc là, il y en a un à l'intérieur. Très bien. Est-ce que je peux m'avancer tranquillement? C'est très dangereux. Il y a un doute juste à l'intérieur. Interroger le capitaine, ça c'est la cible qui est là. Mais il était pas tout seul celui qui est là-dedans par exemple. Cible abattue. Et lui. Il a fait du bruit.
Ok, allons voir. Là, il y a un dude là-dedans, je pense, dans le bunker qui est là-bas. Parfait. Là, il y a une arme, mais c'est à 2 km de quelques. Ok, allons voir par ici. Si je libère ces dudes-là, c'est fermé tout ça. Je peux pas passer. Y a-t-il un endroit où je peux grimper? Je sais même pas où est l'entrée pour que je puisse grimper. Ok. Où est l'entrée où je peux, pour que je puisse grimper? Des gens qui font le ménage, très bien. Oh, je t'ai vu. Voilà. Troisième cible. Quoi? C'est quoi ça? Je vais me perdre. Ok, c'est pas grave. J'en ai un ici. Je vais m'en débarrasser tout de suite. J'ai pas trouvé où était l'endroit pour que je puisse... En plein dedans. J'ai pas trouvé l'endroit pour que je puisse rentrer. Un endroit où je peux rentrer? Oui, là. Visuel sur un soldat. Ouais, je comprends bien qu'il y a un visuel sur un soldat. Je prends le risque. Je récupère le document. Preuve naissance d'une résistance. Oh, là il y a une arme, très bien. Regardez par là, une caisse d'armement. Une caisse d'armement. Oh, salut. C'est n'importe quoi, man. Ok. Ah ouais, ça je prends. Des lunettes. Regardons un petit peu. Donc là j'ai des ressources qui sont de l'autre côté, très bien. Regardons un petit peu au niveau des affaires, ce que je peux faire. I. Équipement. Oh, compétences disponibles. Là, je peux aller plus loin vu que... Ben non, je peux pas seulement prendre 2. Ce n'est pas grave. Mine, l'heure de... Ça, c'est quoi ça? Une option de furtivité conçue pour attirer les ennemis à un endroit précis. Très bien. Physique, même pas mal. Escouade. Drone, batterie, ça je pense que c'est indispensable. Parfait. Maintenant, essayons de voir un petit peu. Ah oui, l'arme, je voulais voir l'arme. Est-ce que j'ai quelque chose ici pour mon gun nouveau? La lunette. Oh, ça c'est de la lunette. Et accessoire monté, une poignée. Voilà. Sélectionner la poignée. Fait que je perds en précision, mais mieux en maniabilité. Donc on va faire ça. Parfait. Et est-ce que j'ai quoi que ce soit avec ce gun là? Non. Voilà. Maintenant, le dude dont on a besoin est juste en haut. C'est correct. Qui est pas tout seul. Essayons de voir si je peux. Il y a lui, très bien. Oh. C'est le même gars. Je
vois pas au travers. Il n'y a personne. Ma batterie est plus longue. Ah, bah, ma batterie est plus longue, mais ça commence à se terminer. Wow, je t'ai vu. J'en vois un troisième. Il y en a un près de l'armement ici. Oh, le voilà, je l'ai eu. Excellent, c'est déjà ça. Ok, bon, maintenant. Ah, si je tire, le gars va l'entendre. Ok, oh là, il est pas loin. Mais. Ah bah, il est à l'intérieur. Ça, on va le faire plus tard. On va s'occuper de l'électricité. En fait, s'occuper de l'électricité est un bien grand mot. C'est bon, il me voit pas. On va ouvrir ça. Et on va déconnecter ça. Bon, c'est déjà ça. Là, les portes. De l'unidad en visuel. Dis-moi où. Dans le bunker. Parfait, c'est correct. Donc là, j'ai comme ouvert les portes, hein. Si je me trompe pas, c'est ça que j'ai fait. Contrôlez vos cibles. Ça grouille de civils dans le coin. Très bien, très bien. On va contrôler nos cibles. Ok, voyons voir un peu ce que je peux faire avec ça. En voilà ici. Puis lui, il est où, lui? Je t'entends, hein. Je ne te vois pas. À l'intérieur. Un soldat de l'Unidad, là-bas près de la décharge. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah ouais, vas-y. Cible marquée. Lui, c'est réglé. Très bien, allons-y. Il y a lui qui fait dodo. Voilà, tu fais dodo. Ok, on s'en tire bien. Niveau 6, man. On va récupérer ça vu qu'on est juste à côté. On va tous les neutraliser discrètement. En tout cas, on va essayer de les neutraliser discrètement. Ok. Ça, il y a quelque chose à récupérer qui doit être à l'étage. Je vais laisser faire pour l'instant. Lui, il est loin. Lui, son bâtiment. Cible abattue. Il va tranquillement, donc là je récupère des affaires. C'est ça, tu fais dodo. Parfait. Oh, on peut souffler, c'est normal, je suis en train de faire tout le travail. Et les nettoyer un après les autres. Juste là. L'intérieur est juste là. Après, j'oublie les autres caches. Ne tirez pas au jugé. Pas question de toucher les civils. En plein dedans. Là, il reste un doute d'ici. Puis je pense qu'on a fait le tour. Fini. Il y en a plus. C'est clean. C'est le dernier, je crois bien. Tu crois bien? Moi aussi, je crois que c'est le dernier. Récupérons le stock.
J'ai vu quelque chose par ici, récupérons-le. Full de stock par ici. À l'étage. Ah, ici. Hop là, allez. Ah, c'est de l'autre côté. Ok, il y a ça en haut, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose à l'étage. Allons chercher l'arme. Hop là. J'en récupère du stock, j'en récupère des matériaux, c'est excellent. Regardez par là, une caisse d'armement. Une caisse d'armement. Et voilà. Où est ta caisse d'armement? Au-dessus? Ok, au-dessus. On continue de grimper alors. Ouh, une nouvelle arme. C'est quoi l'hélicoptère? Ça va être utile ça. Ok, bye. Bon, maintenant on va redescendre. Et on va aller chercher toutes les caisses qui sont de l'autre côté. Il y en a des tonnes de ce côté-là, à l'intérieur de ce bâtiment-là. Voilà, ici, du carburant. Tiens, ici, de la communication. Et nous avons à l'étage, je suppose. Oui, il y a un étage, très bien. Voilà, par ici. Les médicaments. Voilà, ça c'est bon ça. Allez, on se casse. Que ça comment c'est beau, on va pouvoir y aller dans tout ça, on va pouvoir se promener là dedans bon maintenant il reste Dude, on va aller libérer. Comment ça de la compagnie? On n'a pas de la compagnie, tout va bien. On va aller chercher le Dude qui est là haut à l'intérieur de ça il y a des affaires genre là. De la bouffe. On va aller interroger ce gars-là. On va d'abord récupérer ça. Et au-dessus, nous avons des armes. Je crois que c'est juste par là. Voilà, un affaire de com. Et là, on va lui arriver par derrière. Et 19 compétences disponibles. Salut, mec. Regarde, c'est quoi ce bordel? Comment ça va, du coup? Interrogé. Merde, je vous dirais que dalle plutôt crever. Bah, qui? C'est toi qui vois. Mais avec des fous furieux comme Yuri et Polito, c'est toi qui risques de finir pendu par les baloches à leur plafond. Ils attendent que ça, crois-moi. Ça te soulagerait de plus les avoir sur le dos. Écoutez, je suis pas une balance, mais j'avoue, ils me foutent les jetons. Le truc, c'est qu'ils sont même pas à Itaqua. Alors fais-les venir à Itaqua. Dis-leur que t'as un colis pour eux. Oye, Polito. J'ai un mouton pour l'abattoir. Ok, d'accord. T'es le meilleur. Tiens. Mission accomplie! Excellent! Maintenant, allons libérer les gens. Allez, on est reparti. Franchir. Et faisons-nous mal. Non, c'est correct. Excellent. Allons libérer les gens qui sont juste. Ils sont où? Ils sont de l'autre côté? On dirait bien qu'ils sont de l'autre côté. Bonjour! Salut.
Voilà, la vie est meilleure. Bon, il me faut un véhicule. Je peux-tu prendre ça pour aller à ma prochaine mission? Ou carrément? En fait... Non, maintenant j'ai fait ça. Bien content d'ailleurs. Je peux aller récupérer ça en chemin. Mais... On va aller directement faire cette mission-là. Nous avons localisé la voiture. L'Unidad Rambal. Voilà. On va prendre l'hélicoptère. Envoyez la voiture. Envoyez la voiture. C'est cool en voiture. C'est parti. Et nous sommes arrivés. J'ai un sicario par là, à côté de la tourelle. Je vois une batterie fixe. Ok, on va éviter d'attirer la con. Regardons un petit peu avec ça, comment ça marche. Ok, allons voir un peu par là. Je vois une deuxième cible, ennemi numéro 3. Très bien, on veut un autre. Au milieu d'un groupe de civils. On veut un autre. Je vois deux sicarios. Où ça, les sicarios? Où ça? Il y a plein de gens libérés dans cette baraque-là, dans ce camp-là. Tiens. Donc ma batterie va s'éteindre, mais ce n'est pas grave. Ok. Ok, donc là j'ai deux dudes. C'est le fameux garage. Si vous repérez la voiture de Polito, passez le mot. Merci. Parfait. Donc là il faut qu'on aille chercher la voiture d'El Polito. Ok, il faut la voler la voiture d'El Polito. Pour ça il va falloir niquer le monde. Pouvons-nous faire une synchronisation de tir sur lui? C'est quand tu veux. Et... sur reçu, cible marquée. Lui en même temps. Un peu trop près. Hein. Ouais, bon. Les deux en même temps, ça serait super. Ok, go. Cible abattue. Personne n'a rien vu, c'est extraordinaire. Ok. Allons faire un tour par ici. Correct. Ok, donc là-haut on a un dude. J'en ai eu un. Ça devrait être correct. Je pense qu'il y a des vilains par là. On va regarder. Je peux-tu appeler mon drone? Où sont-ils? Les vilains monsieur, où êtes-vous? On veut un autre. Ça fait 5. Ici, on veut un autre. Les vilains monsieur, où êtes-vous? Il y en a partout. Il va sûrement y en avoir dans le bâtiment. Je vois que je n'ai pas toute l'information. On a d'autres. Un autre par ici. Un civil. Ok, bon. Je n'ai malheureusement pas pu tous me les faire. Là, il y a les deux doudous en haut. Ça devrait être correct, ça. Ennemi désigné. On va l'essayer. Tu les butes quand tu peux. Et on va prier pour que ce soit cible bon. Repérée, quand tu veux. L'autre. Plus de difficulté à voir le deuxième. Hein. Je suis en position de tir.
On y va. Ennemi à terre. Ça n'a pas évité les situations. Parfait, très bien. J'ai repéré un sicario, solo. Là-bas, près de la caisse de matos. Parfait. Est-ce que je peux désactiver cette caisse-là? Ce truc-là? Ou... utiliser. Ah, non, je vais pas l'utiliser. Donc, cassons-nous. Ok, maintenant, voyons voir. Personne n'est excité. Là, je pense qu'il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un pas loin ici. Je le sais parce que je pourrais les libérer eux. Pour foutre. C'est un sicario. Vers l'entrée du camp. Allez, on les libère. On va voir ce que ça va donner. Attends, tu vas te faire griller. C'est ça. Battez-vous. Il va se battre. Bye. Va te battre. Je veux pas me faire griller. Il va se battre tout seul. Tac. On peut. Oh man, il est en train de se faire massacrer lui. Ok, on peut essayer. Non. Sors de ton trou. Mort. Wow, wow. On se calme. Ok, c'est parfait. Oh, t'es coincé, man. C'est ridicule. C'est le gros bordel. Comment ça, ça marche pas? Cible abattue. Bon. Moi, je tire au travers des murs. Y'a quelqu'un qui veut se battre? Tiens, fais exploser ça, tiens. Boum. Ho ho ho. Sors. Sors de ton trou. Oh. Voilà. J'en ai eu un. Ils sont tous morts. Parfait. C'est bon, on est tranquille. Allons récupérer des affaires. Donc là, je peux aller récupérer la petite médaille. Ça, en fait, la communication, ça c'est parfait. La médaille, parfait. On pourrait faire une médaille plus classe. C'est autre chose, tiens, des munitions. Et c'est autre chose que je peux récupérer ici. Je pense que c'est dessous, à l'étage du dessous qu'il y a quelque chose. Nous allons descendre, tout le monde est mort. Donc on est tranquille les petits loups. Ici, du carburant. Voilà, ici nous avons un villageois. La voilà, j'ai la voiture de Polito en visuel. Oups, la voiture de Polito a pris un coup. Ça c'est dommage. Ok, ici nous avons ça. Ok, allons récupérer ça ici.
là. Allons libérer les gens qui sont là-bas. Ah, tiens, il y a déjà du matériel à récupérer. Plein de matériel à récupérer. Hop. De rien. Ça me fait plaisir. De la bouffe. Parfait. On va ressortir par là. On va aller regarder. Il y a quelque chose. Oh, c'est ça. Prends des armes. Ici, on a une petite caisse de plus. Voilà, très bien. Non, il n'y a pas d'infos. Oh, bah, en fait, on va regarder si... Non, la map, j'ai dit. Avons-nous un petit... Il n'y a pas l'air d'avoir de... De documents. Donc, on va faire avec ça. On va récupérer ça. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc là, on se casse. On vole la voiture. Puis on s'en va. C'est comme ça que ça va finir. Allez. La voiture a pris un coup, malheureusement. C'est sympa, la bagnole. Et il y a une capote pleine de sang dans la boîte à gants. Non, pardon. Il y en a deux. Bon, wow, ça se confirme. C'est la caisse de Yuri et Polito. Moi, une bagnole comme ça, je dis oui. Même si les capotes sont d'usine. Il y a un truc que j'ai jamais capté chez les... On va passer par là. C'est pas une caisse de luxe. Des gens chromés et ils se trimballent avec dans les mêmes troupeaux mécaniques. C'est pas une caisse de luxe, man. J'ai tellement la voiture déglinguée là. Super caisse, super costume, mais toujours le même patelin pourri. Ça sert à quoi? C'est pour avoir la clim. C'est pour avoir la clim. Ah, j'adore quand ça gèle tout de suite là. Oh my god. Désolé de. Ok, ma voiture est foutue là. Je me dis pas que je vais perdre. Je vais éviter d'avoir un accident. Faut pas que je perde la voiture, sinon je suis obligé de refaire la mission complète. Évitons d'avoir un accident. Nous ne sommes plus très loin. J'ai un peu peur, je conduis tellement en mode c'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, Aboman et Alias a joué. C'est bon, c'est fait. Pour identifier les adresses, Yuri et Polito pour escroquer. Excellent, c'est fait. On a enfin localisé ces deux pourris d'Yuri et Polito. Yessa a croisé le GPS de la voiture avec la description de ton prisonnier. Ils sont dans un pavillon de chasse qui servirait apparemment à leurs interrogatoires poussés. Donne-nous les coordonnées, on fait le reste. Occupez-vous d'eux et ne vous retenez pas. Excellent. Ils le sentent passer. Ouh. Mission principale, 5 sur 6. Accéder au pavillon de la chasse. Oh, on va aller péter la gueule. Premier boss, finalement. On est arrivé. Premier boss de la première province. En fait, boss de la Itakua. Donc, on va aller se faire ça. Déstabilisation sécuritaire, 22%. On a quand même encore des caisses d'accessoires, des points de compétences et des médailles bonus à aller chercher. Donc, on a encore du stock comme ça. C'est un dossier de Kingslayer. On a 3 encore à récupérer. Donc, je vais essayer d'aller récupérer ça en attendant, avant d'aller faire la dernière mission où je m'enregistrerai pour le faire. Mais je vais pas m'enregistrer pour aller récupérer tout ce qui traîne ici. Pour avoir un 100% de cette province avant de la terminer en pétant le boss. Donc, on va aller faire ça. Là, il y a des missions bonus ici. Je pense qu'on peut les faire... Ouais, il faudrait les faire pour les terminer. Il faudrait les faire pour terminer la province. Donc il y aurait tout ça à faire. Je pense pas qu'il y ait un autre perso. Quoi, j'ai des points d'interrogation qui sont pas finis. Mais je pense pas que j'ai d'autres choses qui manquent. Qu'est-ce que j'allais faire? Terminer.
sauvetage, naissance d'une rébellion, le prisonnier de Kulta, la voiture de Polito, le commandant. Il nous reste ceci à faire. Boum, boum, boum. Voilà, donner un second souffle à la rébellion. En contre-général, le chef rebelle nous a fourni des informations. Alors, nous avons une ressource dont il manquait cruellement et donner un second souffle à la rébellion. C'est ça. Bon. C'est quoi ça, Santa Maria? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, petit pouce bleu pour le support. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clochez-moi pour ne pas rater une de mes vidéos quand elle sort. Commentaire sous la description si vous avez quoi que ce soit à me dire. Partagez ça sur les réseaux sociaux et suivez-moi. Venez me rejoindre sur Twitter et Facebook. Je suis très actif, surtout pour les promotions. C'est tout. Ouais. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.